passé lors des deux matchs à l'aller et au retour, et c'est lui donc qui avait égalisé au match aller à la 91e. Le bon ballon pour Fleury, Maxime Fleury qui frappe, première heure. Oh, attention avec ce bon ballon et le ballon qui passe à côté des cages. Alors Dabo, pardon, le bon jaillissement derrière de Mexique, mais balle à nouveau récupérée par Avranches et le centre en première. Attention, oh là là là, ils sont pas dans le ventre mou, ils sont pas encore en claquette les gars en face, hein, donc faut faire ce qu'il faut. Oh, quel dommage. La passe était bonne, mais l'exécution moins bonne. Et attention maintenant au contre emmené par Mazis devant Théo Guivarch, où il rate le cadre. Il va dégager loin devant et on n'ira pas plus loin. C'est donc la mi-temps ici. Et ça repart avec ça, très belle dans la surface de réparation. Une tente d'armée, ça frappe du droit et ça passe juste à côté. C'est compliqué. Bah pour l'arrêter, si on se fait prendre de vitesse, effectivement, malheureusement, il n'y a plus d'autre chose. Là, c'est bien joué, là, s'il la met en une, là. Ouais, et il la met en une, effectivement, et ça va profiter. Il est pas hors-jeu, Reda Rabeille, qui va partir au contre avec Théo Guivarch, qui super, met le pied. Bravo. Super barré. Ça fait pas mal. Oh, attention avec cette mauvaise balance, ça profite à Erel. Erel face à Théo Guivarch. Oh, il a été altruiste. 7 minutes quasiment de la fin du temps réglementaire. Oh, la mauvaise relance de Enzo Real pour... Mazis, Youssef Mazis dans la profondeur pour Alouache, la frappe d'Alouache, et c'est... Et ça part, et ça repart vite avec Sami Alouache à la lutte avec Malaga. Sami Alouache qui prend le dessus, il n'a pas beaucoup de soutien, il va peut-être y aller seul. Sami Alouache, non, il va revenir derrière, et encore une fois... Ok, l'arrêt. Sansango, on va jouer vite vers l'avant, eh bien, et ça n'ira pas plus loin. C'est terminé ici à Cholet, entre Cholet et Avranches.